Encore à la recherche de renforts, l'OM multiplie ses pistes, et cette fois-ci, l'accent est mis sur la défense. Voyons les dernières mises à jour. Vraiment mes amis, cette période de transfert de l'OM ne laisse personne dormir. Et maintenant, nous avons une piste extrêmement sérieuse pour renforcer notre défense. L'entraîneur Marcelino a 4 options pour le poste de défenseur central, et ce ne sont pas des choix évidents. L'une d'entre elles est un joueur du FC Barcelone qui attire l'attention des supporters de l'OM. Aurons-nous un nouveau défenseur directement venu d'Espagne? Nous sommes impatients de le découvrir. Pendant ce temps, les négociations vont bon train. Nous attendons avec impatience les annonces officielles d'Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye dans les prochaines heures, deux joueurs talentueux qui pourraient encore renforcer notre effectif. Seront-ils à la hauteur sous le maillot tricolore? Faites part de vos attentes dans les commentaires. Mais la quête de renfort ne s'arrête pas là. Le club de Marseille continue d'explorer de nouvelles opportunités et souhaite recruter un joueur du FC Barcelone lui-même. Oui, nous parlons de Clément Lenglet. Le défenseur tricolore revient d'un prêt à Tottenham et le Barça est prêt à le céder pour 15 millions d'euros. Selon les informations du journal catalan, l'OM souhaite faire une offre en espèces pour le joueur. Cependant, le montant demandé par le Barça est élevé, et il n'est pas clair si le club français sera prêt à aller plus loin dans les négociations. Lenglet sera-t-il le nouveau pilier de notre défense? Attendons davantage de nouvelles. Restez branchés sur notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour sur les négociations de l'OM lors de cette passionnante période de transfert. Dites-nous dans les commentaires quel joueur vous aimeriez voir dans notre effectif. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos, mes amis.